lecture de ce livre, Mécontente à Oraibi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui appartient au peuple Hopi, un peuple amérindien qui vit sur les hauts plateaux d'Arizona. C'est un livre à la fois fascinant, passionnant, dépaysant, et qui nous permet de découvrir la culture envoûtante du peuple Hopi. Je vais vous en lire le début. Je suis née contente à Oraibi, ancien village Hopi perché sur un haut plateau d'Arizona. Je dis née contente car à l'âge de 20 jours, quand les femmes m'ont présenté au soleil levant, il paraît que j'ai poussé des cris qui ressemblaient plus à des éclats de rire qu'aux pleurs ordinaires des enfants. Après la période rituelle durant laquelle j'étais restée dans le noir, encore en lien avec le monde d'en dessous, j'étais sans doute heureuse de découvrir enfin la lumière du quatrième monde, celui dans lequel j'allais devoir trouver ma route, en harmonie avec le grand projet de vie de notre créateur, le soleil-dieu Taiowa. On m'a raconté que pour me faire fille de son clan, et parce que je lui avais pissé dessus la première fois qu'elle m'a prise dans ses bras, une tante m'a d'abord nommée Onaopaahu, ours qui se répand comme une fontaine. Puis, comme ce jour-là je riais à gorge déployée, une autre m'a également baptisée Taeya Titaawa, celle qui salue le soleil en riant. Enfin, parce que je suis sortie du ventre de ma mère avec les pieds tordus, une troisième femme du clan de mon père m'a encore nommée Tiyukua, pied qui danse entre deux feux. Façon habile de conjurer le sort et de consoler ma mère, contrariée par ce léger handicap. Toutes m'ont ensuite souhaité de vivre longtemps en bonne santé, et de mourir sans souffrance dans mon sommeil, avant de me ramener chez nous où toute ma famille était rassemblée pour fêter mon arrivée à la lumière. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai cessé de pisser sur les gens, et ficelé sur mon berceau de roseau comme le sont tous les nourrissons, moi plus encore que les autres à cause de mes jambes mal formées, j'ai ri avant que de pouvoir danser. Voilà pourquoi je suis restée Taeya Titaawa. Mes pieds fous ont longtemps fait de moi une enfant sage, très différente du garçon qui était venu à mes parents auparavant. À ma naissance, mon frère déployait depuis plusieurs années déjà son énergie de chien de prairie à travers le village. Il paraît qu'avant de savoir marcher, il rampait en dehors de la maison, accroché aux fesses des dindes sauvages. Plusieurs fois, celle-ci l'avait mené jusqu'à la couverture de notre voisine, ce qui lui valait depuis le surnom de Mankwazi, celui qui sait s'y prendre avec les filles. Un jour, ma mère l'aurait encore récupéré au bord de la mezza, prêt à basculer dans le vide. Et vers 3 ans, il grimpait toutes les échelles à sa portée. Son jeu favori était alors de libérer les faucons captifs sur les toits de nos voisins. Si bien qu'un jour, l'un d'eux, fâché d'avoir perdu son frère ailé par la faute du mien, a appelé Soyoko, l'esprit qui châtie les enfants en les emmenant loin du village. Ma mère a dû parlementer longuement avec Soyoko et lui donner un plein sac de maïs pour que mon frère puisse rester chez nous. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt !